Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Donc, nous avons un nouveau robot, hein, le Pietro Chave 14. On m'envoie les textos, crac. Nous avons un mur, Deny Gamer, Danny Gamer, Danny Game, je sais pas. Bref, nouveau robot, on verra bien ce qu'il vaut. Mais lui, le problème, c'est qu'il peut pas attaquer véritablement, donc m'intéresse pas des masses. Je vais plutôt suivre des gens qui peuvent taper, vu que j'ai beaucoup de heal quand même. J'ai plus de heal que de d'armes en fait, mais mes armes sont censées être assez efficaces. Donc, ah bon? Tu veux bien Apparemment, on peut pas heal les mecs qui sont. Ah, on peut plus heal les invisibles. Par contre, si tu veux bien le tuer, oui, ce serait cool. Merci. Crac, je me fais tirer dessus par contre. Crac. Voilà. Ok. Ça se passe assez bien. Vas-y, descends, 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 descends. Descends, descends. Descends. Voilà, c'est bien. Crac. Attends, parce que je peux monter finalement. Voilà. Oula. Oula, mais il y a du monde derrière. On a un copain qui est AFK ou quoi? Comptez y aller ou pas, les mecs? Aïe. Aïe. Crac, t'es là? T'es là ou t'es mort? T'es là. Faut que tu sortes de ton invisibilité si tu veux que je te heal. Hein. Voilà. Crac. Reviens, 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 reviens. Ah, je l'ai pas tué. Bah, tu me tues pas? J'arrive, j'arrive, voilà. Crac. Il est derrière. Ah, mais alors me bloquez pas le passage. Ça, clairement, non, ça vaut pas le coup. Surtout que notre mur ne sert strictement à rien vu qu'il ne mure que dalle. Faudra quelqu'un sur les points, par contre, hein. Je veux pas dire, mais. Là, il y a quelqu'un. Alors, on a un mec, ici, vous voyez, qui est passé à côté de notre point, mais qui ne l'a pas pris, par principe. C'est débile. Et sinon. Non, mais tu sais, tu peux te poser, hein. Crac. Voilà. C'est bon, on y va. Crac. Débile. Gros débile. Il a buté un de nos amis. Bah, Danny Gamer. Alors, Danny Gamer qui nous sert à rien dans la partie, hein, faut être honnête. Hop. Crac. Attention à celui-là qui arrive par là, non? Ok, non. Bah non. Non, 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 non. Non. Ça la full régène. Faut pas exagérer non plus là, bonhomme. Bonhomme! Putain, c'est quoi cette régène de malade? Alors par contre, ouais, ce serait bien qu'il couvre les points. Ouais,
Va y avoir une éruption, hein, vous êtes au courant, hein. Elle va sûrement apparaître ici, potentiellement, hein. Ah là, qu'est-ce que je disais? Ah, il est tout petit. Alors, j'essaie de chercher mes ennemis. Eh ben oui, il fallait t'approcher. Ah merde. Oh la vache. Et je me retrouve tout seul. Et je me retrouve tout seul. Ok. Allez! Noyau défendu, putain, on en a chié. Hein. On en a chié. Je vais chercher le mec qui est en train de prendre le point. Comment t'as su que je viendrais de par là? Putain. Merci. Tu veux bien le défoncer s'il te plaît? Défonce-le. Allez, défonce-le. Défonce-le. Aïe. Putain, mais il te faut combien de temps pour défoncer un ennemi? Allez. Putain, mais il est nul. Il est nul. C'est pas possible. Oh là là. Et je suis pas au-dessus, hein. Il y a Dom Cagre. Pourtant, qui fait apparemment le café. Ah dis donc, tu sers vraiment à rien toi. Hein. Voilà. Quoi? Voilà, t'es mort. Merci. Je vais aller suivre Dom Cagre. On va aller choper le point. Je suis en tête. Ah ah! Crac! On y va! Voilà, victoire. Donc ils ont abandonné, chers amis. Bon, voilà une partie, une vidéo qui commence bien, on va dire, entre guillemets. C'est assez cool. C'est assez cool et on est en tête. On a poutré Dom Cagre. Ça, c'était cool. Bon, bah, il est bien, ce robot. Je le sentais bien quand je l'ai pris ce matin. J'avais un petit quelque chose qui me disait que ça allait bien se passer. Donc, on va avoir double proto. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Crac. On n'a pas tombé grand chose de sympa. C'est un peu mieux sur celle-là. Ah, il n'y a pas d'épique qui tombe. Hein. T'as beau avoir une proto, il n'y a pas d'épique qui tombe. Donc on gagne une étoile, voilà, cool.
Donc très très bon hein, ce robot. Très 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 bon. Et très très agréable à jouer. Je voulais voir aussi, il me semble que c'était pour ce robot là, mais je crois que je l'avais fait en la caméra contre la direction. Non, toujours pas. C'est que en live, chers amis. Hein. Que en live. Je suis désolé, hein, mais c'est plus facile pour moi de mieux de gérer ça au mieux. Je voudrais voir aussi s'il serait pas mieux justement avec la caméra, lui. Ok. Donc, ensuite, j'aimerais tester des robots que j'avais déjà et pour voir s'ils sont toujours fonctionnels, chers amis. On va partir avec celui-ci, qui était vraiment très très bon pendant un temps. Qui paraît pas comme ça, parce qu'il a l'air très cosmétique, très très... fait pour être joli, si je puis dire. Mais j'ai eu un très très bon retour quand je l'ai utilisé. Donc, curieux de voir si ce sera toujours aussi efficace. Ses jambes sont toujours très fragiles. J'attends toujours leur version méga, perso, hein, mais elles ont l'air de pas vouloir tomber. Donc bon, c'est un peu dommage. Alors certains, j'ai vu ça sur les forums Steam, certains voudraient un module de déplacement armé. C'est pas con sur le principe, mais je trouve pas ça logique. Je trouve pas ça logique quand tu penses que les devs ont cherché à avoir toujours des modules de déplacement et les modules d'armement séparés. Faire un hybride ne me semble pas intéressant. Ils voudraient en fait que les pads soient des pads de crabe, littéralement, grosso modo, et que vous puissiez clang, stomp, stomp, stomp avec devant. Je trouve pas ça intéressant. Honnêtement, je trouve pas ça intéressant et je vois pas comment ils pourraient le placer. Parce que bon, c'est pas comme ça qu'a été désigné le jeu. Bon, c'était il y a longtemps ça, hein, par contre. Hein. C'était bien avant la bêta. J'avais vu ça, ça m'a fait bien rire. Je crois que celui-là, voilà, il avait du hover normalement. Vous voyez, c'est pratique. Birmingham Power Station. S'il peut l'avoir, ce serait vraiment cool, mais souvent le premier point. Ils sont un poil trop nombreux. C'est pas nous qui capturons là-bas. T'es sérieux là, bonhomme? C'est ça ton duo pack? C'est ça ton kit? Faut que je régène, je suis désolé l'ami. Faut absolument que je régène. C'est pas con son kit honnêtement. Alors je sens un léger manque de puissance. Très léger mais suffisant malheureusement. Allez, grimpe. Grimpe, 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 grimpe. Il est lourd. Waouh. Eh oui. L'avantage, c'est que je suis très élevé. En termes de... Ah, y a rien là-bas. En termes de hauteur de perso, je suis très élevé avec ce robot. Lui va être très solide surtout. L'avantage c'est que je peux tirer pendant une durée assez, assez longue. Ah, il se laisse rape. Oh le pauvre. Il sent pas la game. Allez, tu m'étonnes. Wow. Bien tenté. Bien tenté deux fois de suite. Allez, trois fois. Là, les trois fois vont être la trois fois de trop. Oh, je suis couvert par un de mes copains, mais alors bien. Oh non. Oh non. Oh non. À deux. Qu'est-ce que je peux faire à deux contre un? GG, en tout cas, à notre pote qui nous couvre de manière épique. Mais on est en infériorité. Ah non, c'est bon. Je croyais qu'on était en infériorité numérique, je comprenais pas. 5-5, c'est toujours bon. Wow. C'est pas moi, ça. Oui, d'accord. Par contre, je sais pas ce que c'est que ce robot. Je vois pas l'utilité. Je sais bien que c'est un robot qui est d'un nouveau joueur. Mais bon. Alors peut-être un léger manque de puissance sur ce robot, en toute honnêteté. Alors ça vient peut-être du fait qu'il ne soit pas en tilt, tout simplement, chers amis. Qu'il soit pas en caméra contrôle. Ça vient peut-être de ce fait-là. Allez, baisse-toi, voilà. Parce que du coup, en fait, j'ai pas tout mon armement qui se dirige vers notre
à notre adversaire et du coup je perds en cadence de tir et donc en puissance de feu. C'est possible, c'est fort possible. Oh non, ah non, ah non, non. Alors là. En plus il est tellement pute ce kit. Il est tellement pute ce kit. Remarque, c'est rigolo hein. C'est rigolo. Le mec il attend que ça en fait, il fait des allers-retours avec le truc et puis hop il revient. Alors je le sens pas, je me sens pas utile avec ce robot pour le coup. Parce qu'il est pas très, il est assez lent, il est pas très réactif. Ah là 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 là, je me déplace plus vite comme ça j'ai l'impression quand même hein. Peut-être légèrement plus vite effectivement. Putain, je t'ai vu. Je t'ai vu, je crois l'avoir vu passer. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est bête de se bouffer le mur à ce moment précis. Merde, on l'a loupé. C'est marrant parce que ce robot là je l'avais pas vu avant le début de la partie quoi. Quoi? Ah oui non, c'est pas celui que je viens de tuer, non je suis con. Aïe, oh il m'a mis cher. Ah non, vous voyez il est plus aussi. Alors je vais peut-être. J'ai content la bip. Ah ouais, ça je cautionne pas par exemple. Ça je cautionne pas du tout. Ce genre de robot qui puisse faire des dégâts à des tours. C'est. Est-ce que vous voulez bien lui tirer dessus ou pas? Voilà. Merde. Et les mecs, un petit coup de main? C'est pas passé loin. Bonjour. Ah, je veux augmenter légèrement le son du jeu, chers amis. Excusez-moi, attendez. Crac. Voilà, tant pis. Tant pis, ce sera pour ma gueule. J'ai légèrement augmenté le son du jeu. Vous allez me dire si c'est mieux ou pas. J'ai très légèrement augmenté. Alors je le sens quand même bien moins puissant qu'il ne l'a été à l'époque. Hein. Bah non. Ouais, je comprends pas. Quand il s'agit de perdre, tout le monde est là pour dire non, on continue. Et là, et quand on gagne, faut que je reste sur le vol. Si je reste pas sur le vol. Bien joué. Ah par contre je suis censé être en train de voler mais il s'agrippe avec une patte. Voilà. Il s'agrippe avec une patte donc. Il est plus aussi efficace qu'il ne l'a été. Voilà. Je les chase comme un noob. Je devrais pas chase. Enfin, quoi, dans ce jeu, le chasing, je pense que c'est pas trop mal. Dans Overwatch, le chasing est très très mauvais. Sur la plupart des maps, parce que c'est pas du kill. Quoi? Formicolo! Bah alors, le point là? Bon, ça veut pas. Bonjour!
Non, 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 non. N'exagérons rien, n'exagérons rien. Il n'y a pas quelqu'un là-bas, d'accord. Et il reste dans le spawn. Ah là 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 là. Et l'autre il arrive. Voilà. Il est juste là, hein. Il est en train de me regarder, voilà. Pourquoi te débattre, comme dirait Symmetra. Ah là 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 là. C'est logique, hein. On a un lever, ça me semble logique, on gagne. Ah bah ils ont ah non, on a gagné. On a gagné. GG. Eh bien écoutez chers amis, du coup sur cette double victoire nous allons nous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Connexion avec le serveur, connexion au serveur. Oh mon dieu, on a réussi à se connecter. Qu'est-ce qu'on gagne? 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 J'étais sur le point d'aller noter que cet épisode-là était tourné. Ah, qu'est-ce qu'on gagne? 10 000 points. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on gagne? En diamant, des trucs intéressants, des trucs intéressants, des trucs intéressants. Ah, la vidéo dure plus longtemps. C'est un truc de fou. Non, je rigole. C'est rien d'intéressant au niveau de cette boîte. C'est pas beaucoup plus longtemps, donc ça va. Le pire, c'est quand une vidéo dure 45 minutes. À uploader, c'est incroyable, mais surtout à monter, c'est. C'est terrible. Je vais le réessayer dans le prochain épisode, chers amis, en tilt, en caméra contrôle. Voilà, à plus les gens!